bien, salut tout le monde, c'est Blood. On se retrouve pour un nouveau let's play donc consacré à Battlefield 1. Moi je suis malade, hein, c'est cool, hein, j'ai une trachée. Je vous demande d'être plutôt sympa au niveau du gameplay parce que je suis très fatigué et j'essaye de vous proposer quand même un maximum de choses parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment. Donc, campagne, lancer les récits de guerre, tout à fait. Let's go! Alors, tempête d'acier. On va se mettre en facile. Eh bien, c'est parti. Bon sang! On y va! Eh oui! Cela va de soi. Alors, le jeu tourne à fond, comme d'hab. On va voir comment il se comporte. Ça va aller, je vais t'aider. Say 99, kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Alors, s'il faut tenir cette ligne... Conservez votre position! C'est la guerre! Bah, je tiens bon, t'inquiète. C'est juste que de bon matin comme ça pour viser, c'est pas évident. Tenez les soldats! La merde là. Tenez bon. Ah, j'essaye. Oh, God.
J'arrive pas à le péter, quoi. Nous venions du monde entier, pensant que cette guerre serait notre rite de passage, notre grande aventure. Laissez-moi vous le dire, ça n'avait rien d'une aventure. Moi et tout. De nouvelles machines de mort, comme les chars, ont modifié la guerre du jour au lendemain. Heureusement, la plupart étaient dans notre camp. La plupart. Oh. Les bagages sont faits déborder à l'église. Il faut avancer. Oh mon Dieu. L'infanterie compte sur nous. Allez les gars. Feu avec cette mitrailleuse. Ah ouais, mais attends, y'a personne. Continuez, pilote. C'est un de nos pilotes là-haut. C'est par terre que ça se passe. Ils arrivent depuis les tranchées. Tranchées. On va renvoyer les bandes à Berlin. Attention. On fait une cible directe pour cette chose. En avant, pilote. Faites le tour. Si vous arrivez à viser ce foutu. Ah ben faudra le trouver déjà. Accrochez-vous, on y va. En guise d'aventure, nous avons connu la peur. Car à la guerre, nous sommes tous égaux devant la mort.
lol. Putain, ils sont en train de nous flamber encore une fois. Je veux pas mourir, les loulous. Oui. Il pousse. On pousse. De temps en temps, on pousse assez fort pour que la lumière perce à travers les nuages. Et on voit briller un monde au-delà de la guerre, juste hors de portée. La guerre est le monde, et le monde est la guerre. Mais derrière chaque viseur, il y a un être humain. Nous sommes ces gens. À la fois blasés et naïfs. À la fois hommes d'honneur et criminels. Nous sommes des légendes à venir et des oubliés de l'histoire. Nous sommes les chevaliers des cieux, les fantômes du désert et les rats dans la boue. Voilà nos histoires. Edwards. Sir. Townsend. Venez, vous allez adorer. On a besoin de gars en pleine forme par ici. D'accord, Jimmy. Feu ! J'ai consulté votre dossier. Et soyez tranquille, je suis prêt à me battre pour ma patrie. Tant que vous savez reconnaître la marche avant de la marche arrière, moi ça me va. Allez, prenez ça. Je vais
vous présenter Big Bess, la femme de vos rêves. J'ai notre nouveau pilote, les gars. Faut pas jurer. Elle aime pas trop quand on jure. Finch. Edward. C'est ta première fois ? Hey, de quoi tu parles ? Fiche-nous la paix, MacManus. T'inquiète pas, elle veillera sur toi, d'accord ? Bien, les gars. Là, c'est pour de bon. Nos ordres sont de percer la ligne allemande et de détruire au passage leur position d'artillerie. Finch. Tout de suite. Ensuite, nous continuerons d'avancer vers la ville de Cambrai, où on m'a assuré qu'il y aurait du vin, des femmes et des chansons, ce qui devrait vous plaire. Ah, MacManus. Bon Dieu, vous êtes sûr qu'il sait conduire au moins ? Ça va. C'est bon, MacManus. Compris, les gars ? Faites votre boulot. Veillez les uns sur les autres, et Bess veillera sur vous. Et que le Seigneur ait pitié de nos âmes. On sortira tous ensemble, pas vrai, Edwards ? Oui, bien sûr. Plein gaz, pilote ! Maudit oiseau, c'est des plumes. Il mue, MacManus. Les oiseaux muent. Je vais lui arracher les plumes. Du calme. Ce pigeon pourrait vous sauver la vie. C'est notre seul moyen de communication. Ça va là-haut, Edward ? Oui. Je commence à attraper le coup. Tu faisais quoi au pays ? Je conduisais. Une voiture. J'étais chauffeur. Halte ! Nous sommes assez loin. L'infanterie avancera au premier coup de sifflet. Ensuite, ce sera notre tour. Dieu du ciel, quelqu'un a déjà vu une chose pareille ? Moi, oui, hélas. Écoutez, nous allons détruire les canons qui sont près de ce moulin. Laissez du champ à nos hommes. Voilà le signal. Plein gaz ! C'est parti ! Vous voyez ce char, Edward ? Ne nous embourbez pas comme il l'a fait ! Ils ont eu l'un des nôtres ! Regardez devant ! Roulez ! Oh bah putain ! Est-ce que je peux le péter de là ? Ça a pas l'air. Bon, j'avance. Nous avançons lentement. Qu'est-ce qui se passe, Finch ? Le moteur va bien, sœur. C'est la boue. Le moteur va bien. On peut continuer. Plus nous enlèverons le barbelé, plus vite nos hommes pourront avancer. Ces canons font de la bouillie de notre unité. Cherchez d'où est parti le tir et détruisez la pièce. Je me lasse pas de ce bruit. Elle attaque. Gardez cette position et détruisez tous les canons allemands.
vaches ne partiront que si on les y oblige. Touché. Nos garçons avancent. Continuez les tirs de suppression. Il faut leur briser les genoux. Les Boches battent en retraite. Très bien. Continuez et clouez-les sur place. T'inquiète, je tiens. Wow! La victoire est pour les hommes virtueux. Bon travail, les gars. Passons à la ligne de tranchée suivante. Envoie la belle pièce détachée. Ouvrez l'œil. Ils ont sûrement d'autres canons, les gars. Mâche éliminée. Le blindage est pas éternel, le nouveau. Ouais, non, mais attends. Un canon de moins chez l'ennemi, les gars. On a un autre là. Cible touchée. Mitrailleuse détruite. Restez là et nettoyez le secteur. Laissons à nos gars le temps d'arriver. Attendez. J'arrive pas à le toucher. Bon travail. On leur donne une raclée. Voilà. Ce canon a disparu de la carte. Alors, toi là-bas. Là. Pour le roi et la patrie, les gars! Bien joué! Mais la journée n'est pas finie! Alors maintenant. On va vers les ruines! Il faut ouvrir un passage à l'infanterie! Ok, je peux faire ça ou pas? Oh, truc de ouf! Attendez, là-bas! Je t'ai vu! Cible éliminée! Canon ennemi détruit. Éliminez cette mitrailleuse. Restez sur place. Éliminez les derniers Allemands. Restez concentrés, les gars. Je donne du rhum au pigeon. Il a pas l'air dans son assiette. Laissez le pigeon tranquille, Pritchard. C'est notre seul lien avec le QG. Et toi, Edwards? Un petit coup pour reprendre des forces? Non, je bois pas. Vous vous amuserez une fois qu'on sera à Cambrai, les gars. Ouh! Les tireurs, visez les points faibles. C'est les guerres. Oh merde. Mais qu'est-ce que vous faites? Ramenez-nous au combat. Eh ben je sais, mais c'est marrant, toi. Bien pété. On les a eus. Fallait pas nous énerver. On a réussi à avancer. Bon
force lourde nous arrose. Planquez-vous. Plus gaffe. Elle bouge pas. Finch, faut aller jeter un coup d'œil dehors. Et faites attention, Finch. Edwards, allez lui donner un coup de main. Ça va? Ça va. T'es sûr? Finch! Finch! Sortez-le de là! Finch est mort! Gardez la tête froide, mon garçon. Faites-nous avancer. Edouard, préparez-la et revenez à l'intérieur. On se dépêche, pilote. On a pris à bord un maudit Jonas et Finchy est mort. MacManus, ressaisissez-vous. Amenez-nous à ce village, pilote. C'est là que leur artillerie est retranchée. Canon détruit. En route, Edward. Affaire réglée. Filons, vite. Hey, go! Tirez sur ce canon et on repart! Servant du canon tué! Bon travail! Attends, il y en a un autre. Éliminé! Là-bas. Ah, tu veux dire là-bas au bout. Je touche pas là. Bah, si. Et de deux. Continuez comme ça, les gars. Allons-y. Vite de ce canon!
mitrailleuse détruite. Frappez fort, les gars. On doit prendre cette position. Cible éliminée. Acharnement approche. Mettez-nous à l'abri. Éliminez les défenses allemandes de ce pont. Allez, on est parti. Des fantassins. Il faut les abattre. Mais ben attends, je répare un peu là. C'est bon. Bon travail, mon garçon. Merci. Arrête, on passe plus là. Hey, go! Encore cette boue! La gaz, il faut avancer! Mais bah attends, je vais détruire le truc là-bas, là.
Edward, lâchez le pigeon. C'est un ordre, mon garçon. Vous comprenez ce que je dis? Oui. What? Du front. C'est Hansen. Ordre de tirer! 3, 1, 4, 2, 3! Dépêchez-vous! On bouge, on bouge! Ce sera bientôt la fin. Content d'avoir servi avec vous. Pendu, Townsend. Vraiment. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Des ordres aveugles? Et le hasard? Dans tous les cas, on va y passer. Je ne peux plus vous entendre, McManus. C'est bien clair. Très bien, sir. Edwards, démarrez. C'est l'arrivée des sens. Ah ah. Et pitié de nous. Et pitié de nous. Et pitié de nous. S'il te plaît, Bess. S'il te plaît, Bess. Arrête. Arrête. S'il te plaît, arrête. Ah, c'est bon. Vous allez rester planté là. Je ne vois pas à plus de 20 mètres. Nous progressons. Edwards, je vais conduire. Sortez et partez en éclaireur. On ne joue pas les héros, compris? Tâchons de tous arriver en un seul morceau, d'accord, Edwards? En cas d'ennui, on sera juste derrière. Oui. J'y vais.
que je peux passer en mode... Tu viens me cover ou pas? Il faut que j'y aille. Moi je veux monter dedans. Je peux pas. Oh la cover de merde. Les couilles. J'y vais. Ah, la dynamite. Parfait. Moi, espèce de con, va. Edwards, vous voilà, mon garçon. Magique, pilote, c'était magique. On se croirait même pas à la guerre, hein. Reculez, je vais franchir les barbelés. Je n'y vois rien. Edwards, passez devant et guidez-nous. Et ne vous éloignez pas trop. Alors les loulous, nous on va se laisser là, donc je vous dis à plus tard pour la suite. Bye bye!